Et salut YouTube, on est en live présentement sur Twitch et on m'a demandé de faire le Titan 10. Alors étant donné que la difficulté n'a pas été baissée même si je l'ai déjà passé, eh ben on va essayer de le repasser directement pendant le live. Donc je vous ai fait une petite vidéo que vous allez avoir sur YouTube pour ceux qui se demandent. Donc voilà, la composition que j'utilise c'est celle-là. Si on pouvait éviter de me tuer Maluna, ça m'arrangerait. Malheureusement, il a décidé de me la tuer. Et je pense qu'il va falloir que je retourne dans mes runes. Ouais, ça sert à rien. On va aller dans mes runes, on va aller changer mes runes, on va se préparer quand même le faire, hein. Attendez. Putain, c'est pas possible. Que je vérifie que j'ai bien. Ok. C'est bon. C'est bien les bonnes runes. Ça, c'est bon. Bah, il est où, Aiolien? Bah, j'y arrive. Hop. 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 Bon, déjà ça devrait être pas mal comme ça. Du coup, on va mettre le Aiolos avec les plus faibles SS. Hop. Tac. Tac. Ensuite, Yuzu. Ah bah elle était même pas ruinée, Yuzu. Tu parles, ça pouvait bien ne pas le faire. Donc par contre, ça va aller sur Aiolos. Ah bah non, il a déjà les SS. Donc ça va aller sur Yuzu. Très bien. Ah mon Seiya n'était pas ruiné non plus. Oh bah tiens. Ouais, je pouvais bien mourir, je me demandais bien. Je me disais bien. Cette arnaque. Ah oui, c'est long, ouais. T'as de la chance. Eh oui, c'est passé à une VOD du coup. Bon, la marine, ça m'arrange pas vraiment, mais c'est pas grave. Allez, un rock. Ouais. Hop, nickel. Ça c'est bon. Là on applique les debuffs, on fait des dégâts. Ça va, tranquille. Là on va en tuer un. Faire des dégâts. Ah. Ça c'est plus chiant ça. On va tuer celui-là. Ok. Là normalement. Et merde, il s'est reformé le con. Bon, c'est passé, mais je pense que les objectifs, c'est pas ça. Les objectifs, c'était bas en 8 manches. Donc ça, c'est fait. Bas le boss une fois, c'est bon. Mais le chevalier, non. Par contre, attends. On recommence. Parce que là, les quatre chevaliers sont pas restés en vie. Une, deux, c'est bon. Ça, c'est parti. Donc ça,
Hop. Ok. Hop. Le but est d'en laisser un avec très peu de vie, comme ça quand il se reforme, on est tranquille. Ah putain, j'ai pas eu la flèche d'or. C'est pas grave, ça va passer quand même. Pas besoin, on prendra pas le risque. Hop. Voilà. Donc je pense que c'est bon, hein? 4 chevaliers en vie, plus de 50% de PV, boss battu en 8 manches. Je pense qu'on est pas mal. Voilà. Je pense qu'on nous sommes pas mal. Donc voilà comment passer le Titan 10. Honnêtement, le passer avec un autre DPS qu'Aiolos, enfin le Titan 10, le Epic Ruin 10, le passer avec un autre perso qu'Aiolos, c'est RNG est compliqué. C'est compliqué. Et re-rollo. Donc voilà, sur ce YouTube, à demain pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de passer sur Utip pour soutenir la chaîne, c'est gratuit, ça vous prendra un petit peu de temps, vous pourrez regarder une pub, et comme ça soutiendra la chaîne.